Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du bien-être. Médecine traditionnelle et médecine moderne, pas nécessairement opposées. Plante et n'a beaucoup de propriétés, même propriétés comme par exemple anti-oxydant, plante et n'a beaucoup bien fait. Aujourd'hui, nous pour intéresser à la médecine traditionnelle dans le cadre de la Journée mondiale de la médecine traditionnelle qui célébrait tous les années le 31 août et pour nous cause les condition que mène Mauriciens expérimenté très souvent dans toute la vie, l'indigestion, nous avons le plaisir d'accueillir long le plateau aujourd'hui le docteur Komal Chandra Sun, qui est un médecin ayurvédique au ministère de la santé et du bien-être. Bonsoir docteur. Bonsoir. Le docteur avec Azotin, nous cause une condition qui beaucoup de c'est l'estomac lourd qui est l'indigestion. Peut-être avant qu'il nous commence, cause le sujet les mêmes docteurs. Est-ce qu'ils sont qu'il capable d'expliquer nous le fonctionnement de l'estomac selon la médecine ayurvédique Bon, avant nous commence, expliquez-nous la fonction de l'estomac. Nous bien que quand nous cause indigestion, nous cause ce qui arrivait est mancé ainsi mm -hmm. nos bien connais nous manger, qui qualité des étaient avant avant de rentrer dans nos légumes ah oui qui, très car, qui caractéristique un manger les biens, donc commence par le commencement la docteur ouais, ouais. ça veut dire manger là n'importe qui manger nous manger mm -hmm. les bisins des caractéristiques mm -hmm. premièrement caractéristique les sont digérés facilement right? deuxièmement les besoins purs c'est à dire préparés avec beaucoup d'hygiène hygiène troisième affaire quand nous préparons les nos bisins sont ils nous, nous énergétiques cest de nous la force, l'aide pour nourrissement. Mm -hmm. Et quatrièmement, les l'ibisé amène l'effet positif dans nos échos. Mm, et ensuite, comme tout manger nous, qui nous mangeait, d'après la médecine avélique, nous devions remercier le bon Dieu parce que c'est grâce à lui que nous gagnons manger là. Alors, l'ibisé pur et nous devions considérer n'importe qui manger nous prend effet sacré. Et plus important que tout, te tout dit euh, content quand il mangez, mangez là, il agréable. Mm -hmm. Les besoins bons, l'eau palée, et les besoins qui ont un bon goût, ça qui est l essentiel. Mm -hmm. Quand tout ça, la conditionnel est là, quand on prend le repas, les dans nous l'estomac C'est-à-dire, avant qu'ils rentrent dans l'estomac, ils passe par la bouche, au bah, manger, au mastiquer, là où on va aller. Mais tout ce processus qui fait là, y a une digestion qui commence, c'est-à-dire où la salive commence à euh, mixer, elle commence... Euh, c'est-à-dire, avec manger là, elle commence à descendre, elle a une indigestion qui est arrivée dans l'estomac, mm -hmm. ensuite absorption. Mais ça, c'est une route euh, normale. Indigestion, c'est normalement quand nous gagnons un discomfort, c'est-à-dire nous ne sommes pas sentir -nous confortables à ce que nous mangeons. Mm -hmm. Les capables, nous mange moins, les capables, nous ne mangeons pas, les capables, nous ne plus. Alors, quand nous ne mangeons pas,

il faut un tout même ben, euh, système qui mange là les sentiers qui mange là les nippes l'estomac ils commencent à descendre alors tout ça ben, euh, c'est à dire si il y a les caractéristiques avec indigestion mais indigestion principalement liée causé par quand nous payons mal mm -hmm. d'accord alors docteur la médecine ayurvédique contient qui est important qui nous connaît qui nous payons manger, donc pendant cette émission là nous cause beaucoup leur... Ben, qualité qui nous bise à manger. Mais il y a un autre euh, point aussi qui est important. Vous expliquez-nous ça, docteur. En médecine ayurvédique, qui les a-t-il à manger, et surtout, qui les manger dans une zone? Et nous prenons depuis le grand matin jusqu'à tantôt. Bon. Ce qui est arrivé dans la médecine ayurvédique, il dépend de l'âge, premièrement. Right? Normalement, la médecine ayurvédique ne recommande pas qu que les gens mangent tous les ans. Mm -hmm. Nous devons manger au minimum deux repas, c'est-à-dire ou bien mange euh, cest c'est-à-dire un ticket après le soleil qui finit le et au mange deuxième repas, avant le soleil couché. Right? Et c'est-à-dire bah, le repas qui nous prend au milieu, n'est pas trop conseillé. terme, sa concept de breakfast, qui nous est dans, dans la médecine moderne, qui, dans la façon que nous vivons aujourd'hui, pas n'est pas existé exactement dans l'événement. Right? Nous Normalement, pour rester en bonne santé, il faut que prend six deux repas. Deux repas. Deux repas par jour. Là, la santé reste bien. Mm -hmm. Après, si vous prendre plus de deux repas, trois repas, là, où vous vous êtes malade. Vous vous une malade. Parce que le système vous débalance. Mm -hmm. Et si vous avez envie de la vie yogique, comme on dit, là, vous prenez un seul repas par jour. Ah bon Un seul repas Alors docteur, attendez un coup là, nous, nous allons un peu doucement, parce ouais. que c'est important c'est que vous pouvez à nous. Quand vous dit dites un seul repas, c'est intermittent fasting C'est ce qui nous non, peut tenter, ça me l'a très souvent... Non, ce n'est c'est pas intermittent fasting, c'est dépendant de l'écho, comment il est. On là, on prend un seul repas, d'après ce a les capables de un seul repas vers midi. Et là, on dit ok, on prends un vers une heure. Et là, les sont capables de prendre de l'eau, de l'eau légère, de l'eau liquide, Et là, ils attendent tous les mois un petit ça dépend où constitution l'école qui était, comment les corps peut envie d'adapter les. Ce qui est concept de intermittent fasting, ça veut dire, ce qui nous dit, si nous capables de rester sans manger pendant 12 heures, 14 heures, 16 heures, jusqu'à 18 heures maximum. Ça, c'est venant comme si nous prenions depuis la nuit, ça quand nous finissons dîner, oui. le lendemain après 14 heures, le nous pouvons manger. Tout le monde n'est pas capable de faire ça parce qu'il est énorme pour développer indésension. Parce qu'il est capable de développer acidité, gaz, ballonnement. dépend de la constitution de Et intermédiaire fasting, il y a un training. Ça, ça veut dire qu'il vous avez train doucement, doucement, doucement. Là, vous arrive au target. Mm -hmm. Mais intermédiaire fasting, c'est plutôt pour le ben monde après l'âge de 50 ans. Qu fait? Parce que là, le ben, euh, système commence à vieillir. Et nous avons un risque d'avoir de beaucoup de malades qui augmentent. Alors, quand nous faisons un intermittent fasting quand nous ne mangeons pas, manger, qui arrive, nous les avons le temps de détoxifier les mêmes Alors, les 6 toxiques qui sont là, ce sont des choses qui peuvent, peuvent vieillir, les scavengers, en même temps, les rajeunir. Alors, nous avons le temps de faire ce repair. Et ce repair qu'il fait là, et aussi si vous prenez un repas une seule fois par jour, là où maintenir sa condition qui était là, reste pareil. Mm -hmm. C'est-à-dire, si un djimoun commence à la 50 ans, il réussit, à est dans les 3 ans, 4 ans. Quand on dans la 60 ans, il vous paraît de 50 ans même. D'accord. Donc c'est ce système. C'est système. Le système, il paraît jeune. Okay. Alors parce qu'il sur lève corps, point de moins toxique. Right. Mm -hmm. C'était l'aspect plus important qui fait nous manger, miser entre soleil levé et soleil couché parce qu'il saleela nous système qui est na, qui nous appelle agni qui appelle biofire ça je travaille au plus maximal à cause ça quand nous prend les saleela la là, 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 manger là digère plus bien ainsi ça fait plus important quand causons cause digestion dans façon passon monéral ayurvedic les diao qui amène jamais l'estomac plein c'est-à-dire pour donner l'exemple si nous et là, nous utiliser en trois parties ça veut dire 50% nous prend les avec nos repas 25% 50% qui est resté là, 25% nous garde l'eau pour faire liquide, de l'eau etc. et ça 25% là nous laissez vide. Ça veut dire que nous pas manger. Ça 25% qui nous pas manger là, c'est à dire si nous payons faim, si nous l'appétit, c'est à dire nous mange un peu plus, nous disons non, nous arrête la même. Quand nous arrête la même, nous mangeons un petit peu moins. Là la qui fait ça manger que nous mangeons là, il gagne l'espace dans l'estomac pour les mélanger bien. Alors, mm -hmm. tout le gastric juice qui est là, tout le monde enzyme qui est là, ça prend assez d'espace. Par exemple, for example, nous example, connaissons si vous pouvez un manger, soit vous pouvez pétrir la farine même. Mais si vous remplissez le bol là entier, vous pas pour pétrir la farine là. Oui. Oui. Vous avez garder 50%, après vous mettez de l'eau là, vous gagnez de l'espace mm -hmm. pour pétrir bien. Mais mm -hmm. c'est pareil comme ça pour l'estomac. Donc, euh, mon rappel, un hein, téléspectateur qui a nous a invité, le docteur Kumar Chandra qui est médecin à au ministère de la Santé et du Bien-être, nous pécose Azodi l'indigestion, dans le cadre de la journée mondiale de la médecine traditionnelle, qui nous observait tous les l'année, les 31 août. Et euh, docteur Pédianou, qui euh, nous l'estomac, bon, il un organe très important dans le corps humain, enfin, dans les corps de tout être. Alors, est-ce qu'il y a à peu près, parce que Pédianou ne faisait pas manger comme dire remplir l'estomac net, ne pas nous manger full. Au cas de nous donner l'idée, qui grossit à nous l'estomac Et est-ce que nous l'estomac, c'est un organe qui expande Quand on mange, il expande un petit peu, mais il n'est pas qu'il expande trop beaucoup. Ok. okay. Mais il, qui grossit à peu près Non, il dit... ce grossit dépend du démon. Il y a qui... Non, il n'est pas, pas exact, ça, mais je fais un average mais plutôt nous pas là dedans, parce que chaque démon, ça me dit, c'est un appétit différent. Ah, ah ok. okay. Mm -hmm. Mais l'estomac dépend où... où... Constitution qui est là. Une... Parce qu'en face, d'après ce qui me comprend, un euh, ben, petit bébé, je peux donner un exemple est l'estomac, quand je te nez, il est né, assez petit. Si mon ne sais pas si je ne pas ça, il est un petit peu plus gros qu'un haricot. Oui, il est petit parce qu'à faire mes yeux pour développer, il peut réussir grossir ce size maximum. Mais ce size maximum-là, il n'est pas exact ça. Oui. Parce qu'il y a un petit qui est capable, il dépend sur l'écho, moins formé dépend sur mm -hmm. mon génétique setup les carabines estomac qui est beaucoup plus grand qui est le dimone. voilà grand mais pas pour trop grand non plus mais oui. ils prend un petit peu d'espace plus parce que est un gymone moins plus et un mange moins, moins. Oui. ça dépend de quelle manière où l'estomac euh, à accommoder de manger mais c'est pas une question d'habitude ça docteur parce que des fois nous, nous on a tendance croppe peut-être c'est une, une une perception ça qui nous, nous comme si plus tu peux manger, moins tu peux gagner faim. En fait, c'est un petit peu ce qu'ils nous pensaient, non? C'est pour ça qu'ils nous mangent beaucoup aussi. Non, manger beaucoup, ce n'est pas une bonne affaire. Mm -hmm. Ce n'est pas une bonne affaire du tout parce que si nous mangeons beaucoup, qui arrive nous, eh, nous pouvons créer malades. Mm -hmm. Excess food leads to disease parce que les gens mangent moins. Quand nous mangeons moins, nous mangeons moins ce qui nous fait, c'est là qui nous reste en bonne santé. Parce que quand nous avons capable de nous, 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 nous gaver, elle nous remplit une hein mm -hmm. Alors ça, ce n'est pas bon du tout. Mm -hmm. Parce qu'il lit empêche de manger la digérée bien. Et quand il empêche de manger la digérée, elle est la même qui a senti euh, une ventine gonflée, un peu de gaz, un ballonnement, et une digestion. On indigestion capable en même temps de faire gain une santé, façon qui peut passer la selle les dur. Et docteur, maintenant, tu as fait là, c'est l'estomac rempli avec enzymes. Enzymes, c'est oui. quoi ça Est-ce que substance pour la digestion? c'est une substance, est pour une la substance qui est, nous, nous avons beaucoup d'enzymes dans notre corps les, et qui pour pas des mais beaucoup de fonction dans le corps, un enzyme important. C'est mm -hmm. la base de protéines. Et chaque enzyme, les aide pour digérer un produit spécifique. Alors, c'est même qui est dans les on appelle ça agni, il y a biofire mm -hmm. et sans biofire là les besoins restent pas dire dans une condition euh, normale La condition normale quand les bisons sont trop euh, bas on dirait, par exemple si nous, euh, nous prenons beaucoup de l'eau avant de manger mm -hmm. nous biofire euh, nous, bio nous agni les bins moins ça va être différent. là les commence bins moins oh. ouais. alors nous avons de l'eau moins 10 à 10 si nous prenons un euh, produit bien manger qui, euh, qui baisse nos biofires. 10 pré pas une bon. Là, D'accord. Donc, euh, c'est important qu'ils nous connaissent, ça, mais on dit à nous, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, parce qu'ils travaillent, parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui, qui disent à moi ça. Euh, à un moment donné, des fois, c'est très trop tu pas manger, disons, des heures, trois heures. Très souvent, ils ne pas manger à l'heure. Est-ce qu'il est -ce qu capable explique-nous, docteur, est-ce que c'est dangereux ça, de ne pas manger à l'heure? Il très dangereux. Moi, vous nous une simple affaire. Dans Maurice, qui est-ce nous prendre le lunch? Ben, normalement, c'est midi. Midi. Qui fait nous prendre le midi? Bon, ce qui me pensait, c'est euh, par rapport à, à besoin de, de l'être humain. Non. Même. Vers midi, soleil respique. Ah, ah. Ah. Soleil respique le soleil respire. Le soleil respire le ciel. Mm -hmm. Et ça a un effet direct dans nos système. Ah bon? Quand il y a un effet direct dans nos système, nous biofire, nous agnés, on travailler à l'optimum. À mmh. cause ça, nous mangeons vers midi, entre 11h30 et 12h30, mmh. plus à l'heure, dans Maurice, nous mangeons une heure. Et en place, dans le pays, de demandons en parce que ben, ça, le soleil -là, il est là, les plus fort, ça là. À ah, okay. si vous êtes pas, dans le pays de l'Europe, vous demandez vers le désert. Oui. Oui, parce qu'il est là, ça l'est là, qui le soleil -là reste le plus fort. Okay. C'est-à-dire, nous, nous avec la nature. Quand nous okay. bien, harmonisons -nous avec la nature, Là, nous systèmes les travail. Parce que nous aussi, nous font partie de la nature. L'être humain n'est pas séparé de la nature. Elle nous font partie de Ça, écosystème qui est là, de la nature qui nous est là. Mm -hmm. Alors, nous, nous les corps, vous voulez ou parler les influencer par le soleil, la pluie, le vent, la terre, tout le monde naturel qui nous, nous influence. Nous, les corps, communiquer communiquons ça. Nous ne nous sentons pas ça, nous. Mais nous, les corps, Inconsciemment, les pays communiquer avec ce système-là. Et comment nous dire que la médecine, il y a un changement qui arrive dans nos écoles aussi. Par exemple, quand il a une ou on veut manger, elle manger à part quand on fait trop chaud, ou on veut manger, On manger, qui fait ça? Parce qu'il peut adapter avec la nature. À l'école, elle peut communiquer. Mais la quand elle fait frais, ou on veut manger, fait épicé ils fait un petit peu plus, euh, Chaud. Chaud. ça ils ont fait un petit peu plus... qui pour faire gagner moins faim. Mm -hmm. Alors, on comme ça. assez si on continue, même, même style de repas dans différentes saisons, mais on peut être malade pour créer une disséction. Une disséction, comme on dit, dire, est causée quand nous mal manger. D'accord. Donc, l'important, docteur, peut-être que c'est ça, la première règle d'eau qui nous faut respecter, c'est mange à l'air. Mange mm à -hmm. l'air. Et normalement, ce n'est pas de qui nous travaille. Dans Maurice, on connaît la façon de vivre dans Maurice, c'est différent. Alors, on n'est pas capable de trop mettre ban règles strictes dans la façon de manger. Mm -hmm. Alors, dans Maurice, nous avons sa pratique. Depuis des enfants, on prend un petit breakfast. Right? Mm -hmm. Tout le monde euh, prend un petit affaire. Pas comme un extended, comme un céréales. Normalement, on prend normalement petit pain. Soit carré, soit il prend du pain, du beurre, fromage, banane. Ça, c'est mm -hmm. le normal des Mauriciens. Ça. Oui, oui. Alors, là, ça, au besoin qu'on prend ça, et n'importe qui on peut prendre le matin, breakfast, prendre un ticket, pas prendre un excès. Là, là, midi comme lunchtime, les préférables, on mange bien. Malheureusement, dans Maurice, nous ne mangeons pas mange bien midi. Nous mange bien ticket, vu le travail, la Et quand nous ne mangeons pas mange bien, ce qui est qu a arrivé, là, avec des dessert, nous remangeons un ticket un petit affaire là tantôt, quand nous parlons, nous vous, vous faisons une « extended meal », ce qui est un pas bon pour la santé. Midi, nous pouvons manger normal », une « full meal ». Désir, si vous voulez gagner, enfin, vous mangez un affaire liquide, un JT, soit n'importe quelle fait qui vous compte. Hein? Et ensuite, tantôt, vous, vous mangez, oui, mais vous mangez un repas simple et léger. Ce qui fait parce que si vous mangez un repas léger et simple le soir, vous gagnez un bon sommeil. Les pois doux dans le sommeil. En même temps, les faut aider la digestion et absorption de tout le monde manger que de manger durant la journée. Alors, euh, muscle, le système, depuis base jusqu'à l'estomac, l'intestin, de tout pour gagner mm -hmm. un petit repos. ce pour travailler, détoxifier, guetter, quoi qu'il y ait de bien fait, quoi qu'il y ait ajustement pour faire, de pour gagner de temps. Faire ça. Mm -hmm. Mais si nous donnons trop beaucoup de repas eh, lourds pour manger le soir, qui pour arriver, ne dit pas pour faire ait fait ben ajustement pour faire des pas pour faire. Mm -hmm. ait euh, pas, pas ce... fait. même 10 matin, quand il pouvait lever, il peut sentir l'eau, soit il pouvait est gonflé, il y gaz, il peut sentir qu'il avait besoin vomir, soit il peut sentir qu'il avait besoin de passer la sel, il ne avec pas faire passer la sel. Tout cela, il est pour là-bas. Ça ça dire que ce système-là, il commence quand nous commence mal à manger. Même. D'accord, donc nous disons en harmonie avec la nature, nous disons oui. qu'on écoute nos corps, nous disons qu'on là pour cause un petit peu la digestion, l'intestin, mais aussi des ben, problèmes qui peuvent associés à l'indigestion, comme en constipation ou bien des diarrhée. Oui. Donc, euh, les bons qui vous expliquent nous ça. Par contre, nous on le matin, nous allons prendre notre breakfast un c'est une des habitudes qui nous est là, mais ça, c'est le monde entier. Hein? lever grand en matin, prendre des affaires pour manger. À cela, docteur, qui nous disait manger le matin bon le matin comme on dit autant que possible on mange manger qui va ben, dire céréales non d'après au normes culturelles. hein pas qui ou, imite on prend céréales on prend ben, processed food c'est ben, céréales tout le matin après qui nous gagne c'est ben, processed food rappelle bien hein? qui prend process food qui nous est là, une, une large variété de gamme qui nous est là mm -hmm. c'est ben processed food côté a beaucoup d'additifs, ben, right? Mm -hmm. Et, mais les riches en fibres, docteur? Non, les pas riches en fibres, mais nous y a beaucoup d'additions, de, bon additions, de bon process, de bon OGM, de bon process qui nous font ces mm -hmm. affaires-là. Alors, le matin, quand on a l'estomac est propre, le meilleur, on prend des affaires qu'on fait à la maison, simples. Right? Une affaire simple que vous mangez, comme on longtemps, je manger. Ça me conseillé. Si vous gagnez le temps, pour prend des affaires, oui, comme moi, des enfants c'est content, contents, maïs, des affaires complètes, mais léger. Ça, les et dou reste en bonne santé. Vous patate, nous, patates, manioc. Exactement. C'est cette manière-là qui nous encourage à prendre, dans le breakfast, un petit peu. Pas beaucoup, mm -hmm. parce que balancer quand vous trop manger, au sentier que dou. lourd. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, on prend un petit peu. Là, c'est cette manière qui nous préparez la case. C'est une manière saine. Ce n'est pas une manière agréable. C'est une fait simple qui nous demande nous préparer. Soit vous prenez un petit peu sur diri vous carrément même le matin, ça aussi, pas un problème. Un petit de avec euh, ce qu'on appelle un euh, gilet carré. Et tout ça, ça a aidé dans la digestion. Parce que le matin, tant que possible, vous mangez des affaires qui sont digestibles facilement. Pas besoin de prendre trop de affaires process, parce que ce process prend le temps pour digérer en même temps, ça va toxique qui est dans la dent et rester dans the Donc, nous sommes capables manger du pain, docteur Oui, du pain, on peut manger. Parce que dans le -mauricien, nous dans nous du pain, est normal. Parce que ça un fruit, une banane. Un une fruit, une banane. Parce que ça vient dans nos systèmes, ça. Mm -hmm. les enfants nous font ça. Oui. Alors, les cours, adaptés, ça. Okay. Ça fait nous les adapté à ça. nous digérer vite et les pour faire les Après, ça fait que nous les enfants, mm -hmm. et donc, c'est réel. Et, un an American Breakfast, ah. ou, 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 on commence à faire beaucoup d'affaires, mais au système pas pour adapter. Système ah. pas, parce que sa génétique, cette plaque qui est là, elle est adaptée pour des affaires simple. on okay. ne permet pas ça. C'est pour ça qu'il nous a dit beaucoup de malades qui viennent. Après, dernière mal recherche qui peut faire, qui dit que nos système digestif qui nous est là. Le, euh, pas juste l'estomac, l'intestin, le hein, mais il y a également un brain, ça. Dans nous, les c'est ce qu'on appelle the gut, the gut là, le gut ». et le gut », là il y un système qui... Intelligent. Contène, oui, ce n'est pas le brain qui contrôle le gut », c'est le maladie nerveux. c'est ça. C'est hein. mm -hmm. le gut » mm -hmm. qui contrôle le brain. C'est vrai. Alors, ça qui est important, c'est qui nous mange. Et la médecine ayurvédique, depuis tout le temps, indien, qui, si nous mangeons mal, nous être malades et tout malade sort dans la vente. Oh. Oui, tout malade qui sont dans, dans la vente, tout malade qui sort dans vente, parce qu'ils ce source, c'est que nous, nous faisons manger, nous d'y si mal, pour un bon le temps, c'est là qui nous développe cette maladie. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est important nous occupe, euh, nous oui, nous est de nous occuper de notre digestion pour éviter de gagner un problème. Un, euh, oui. Alors, euh, nous avons dit l'eau l'indigestion avec euh, nos invités, le docteur Komal Chandra Radakissoun, qui est médecin ayurvédique au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous avons surtout l'eau de douze et dont, hein, qui nous a ce qui nous a pas faire, surtout pour avoir euh, une bonne santé. Donc, comment on peut expliquer, nous, docteur, si nous ne digestions pas bon, si ce qui nous mangeait pas bon, les cave ont un impact négatif nous la santé. Les carabines ont une conséquence grave. Donc, c'est important qui euh, nous connaît, qui nous puissent manger et. Comment on nous peut manger Donc, ça, c'est pour une cause, docteur. J'ai savant l'eau, le petit-déjeuner, qui est, on dit à nous le plus grand classique, comme on a l'habitude de manger ici à Maurice. Maintenant, pour le déjeuner, est-ce qu'il vous recommande à nous manger des affaires en particulier, où il y le soleil, l'île où on a la tête Est-ce qu'il nous plaît de manger en harmonie, encore une fois, avec la nature là? Non, nous, toujours, en harmonie avec la nature, mais nous, car on <coughs> mange un « extended meal », que mm. nous pouvons nous car carrer, N'importe qui consiste à durer dans la vie de manger docteur. ça. dépend de l'appétit. Vous avez Et... besoin de manger trois fois l'estomac. Vous avez pensé penser à cela là si vous avez de manger. Non, pas besoin de penser ça. C'est-à-dire, vous connaissez qu'on peut qu trop penser à ce qui nous pédiait, dire où, où vous, pouvez mal manger encore. C'est ce que vous avez besoin faire, vous avez besoin d'écouter l'instinct. Ça veut dire que vous mangez devant vous, vous connaissez, vous prenez une quantité de manger, mais vous avez besoin de vous dire, prenez un petit peu moins, c'est tout. D'accord. Donc, nous <coughs> allons manger ce qui nous lait, ce qui nous contente, à la façon qui nous cuit, lui, côté nous. Quand on nous cuit côté nous, docteur, ça aussi, c'est une grande question, ça. Mm. Euh, des fois, nous, quand comme ça, nous, nous comptons mettre un ticket parce qu'il des Pénago, nous comptons mettre un ticket de plus d'huile, ou bien nous comptons mettre un ticket de plus de Ça peut arriver, hein? Mais ça aussi, il faut dire nous connaissons comment nous cuit la case. Oui, définitivement, quand on pédiait une bonne affaire, nous devons connaître comment nous cuisons la case. Premièrement, de l'huile, tant que possible, nous servons moins. Nous servons de l'huile, parce qu'il y a besoin de l'huile, il y a besoin peu de gras pour certaines vitamines absorbées dans le corps. Mm -hmm. Et il y a besoin pour que le système roule bien dans le corps. Mm -hmm. On prend de l'huile, on consomme moins. Ensuite, dans la cuisine mauricienne, tout le temps, nous servons de l'aïsoyon. J'ai right. une euh, dans l'hiver, nous euh, servons dans l'été, Dimoun servit moins. Et Dimoun servit la il Après, c'est un carré qui est euh, préparé, je vais de faire des épices, des masala, accordingly. Ça, c'est OK. Mais quand nous préparons préparer, nous avons besoin de guetter qui repas repasse bien cuit. Et nous avons besoin de faire un repas qui pas cuit bien. C'est-à-dire, je suis content, un petit peu dur. Alors, ça qui nous a éviter surtout quand, quand comment dirige. Dirine, nous avons bien guetté Dirine, bien que oui. Il y a des tendance à penser à un petit peu dur. Enfin, nous comptons quand il est bien en grain, surtout quand il est sorti là-dedans, un petit bouillon à côté. Oh, oui, c'est-à-dire en grain aussi, vous bien connaître s'il n'est pas trop dur. Si okay. il est en grain, il est un petit peu bien molle. Parce que quand on prend du riz dur, il fait haut du taux et il est capable d'irriter l'estomac tôt ou tard. Alors, est-ce que le fait qu'il n'a habitué pas de en grain depuis nos petits? Petit,

alors, pour comme ça, au cas digérer bien. bien. D'accord. Et qui recommande-nous donc pour le déjeuner? dit à nous ça qui nous bah, convient de manger? Euh, oui, dans le déjeuner, normalement, on a besoin de thierry, de curry, si on veut prendre un grain sec, si il y a des qui dans un non-veg, ils peuvent prendre ce non-veg. On a besoin mettre un peu de salade, et tant que possible, il a dit, quand on en prend yaourt, à manger. Voilà. Et ça aussi, les gars, on prend. il n'y a pas de problème. Quel est le meilleur moment de manger le yaourt, docteur que et... c'est vrai que si nous mangeons yaourt ouais. là, par exemple, dans la journée, il est mieux qu'ils qu nous manger l'après-midi. Exactement. Yaourt, c'est mieux qu'il nous prenne le matin, entre 7h euh, jusqu'à midi et né. Mm -hmm. Le soir, quand nous prenons yaourt, les pas aident nous bien. Et surtout, il y a certaines salades aussi, comme ça. Par exemple, cocombe. Ah, right. qui dit moi on mais courge c'est une salade qui besoin de matin soit midi. Parce que si on mange crame matin, pas une de et vert, il est aidé parce que courge a beaucoup d'eau. De il oui. est pour détox. D'accord. Alors les garde jeunes. Ça okay. même courge là on mange le midi, les pour aider, pour amener assez de l'eau dans le corps, les bougades correct, les pour aider dans la Mais mm -hmm. ça même courge là si on mange le soir, ça les pour faire gagner beaucoup d'eau. Parce que si le corps n'est pas adapté pour du gel, on commence à développer un problème de sinus. Deuxièmement, on a un problème dans le genou. Fraissière, on commence à avoir une douleur. Okay. Alors, eh ben, il y a une salade aussi. Nous sait qui qu'il y a de vous manger, qui façon de manger. Normalement, une salade, d'après la médecine alvélique, ne nous recommande pas de manger trop beaucoup. Dans la médecine nous avons dit qu'il y a de manger. Et ensuite, euh, une quantité qu'il nous prend, c'est plutôt euh, nous prend prendre lit dans la journée. D'accord. Donc, plus dans la journée. Euh, ça veut dire nous faisons pendant le déjeuner. Bon, c'est vrai, très souvent, nous, la plupart de Ben Morissiane, nous travaillons à ce moment-là. Mais nous fait en sorte qu'il nous, nous mange plus dans la journée que le soir. Mmh. Maintenant, pour le dîner, docteur, qui est recommandé Dîner, normalement, gede. dîner, nous prend prend, euh, d'après ce que vous mangez. Soit on prend du pain, soit si mm -hmm. on compte un du riz avec un seul carré, soit un affaire simple. Et on ne pas trop faire l'extended, pas mettre de salade, tout ça là On mange un affaire simple le soir, qui vous sentit satisfait. Parce que vous travaillez une journée, vous vous sentiez fatigué. Ça mangeait que manger le soir-là, bien agréable faire gagner plaisir, qui vous demande de manger le soir et vous connaissez ça manger de mangez là, digérer correctement. Parce qu'on est tout manger, il travail dans nos cinq sens. Quand nous gettez manger avec les yeux, nous gettez se couler, nous attirer ce parfum, nous pour attirer. Quand nous pouvons si c'est soft, si vous trouvez correct, vous pouvez attirer. Insté quand on peut manger, si vous trouvez lui la bonne affaire pour moi pouvez manger qui croquant, ça aussi, les les pour la digestion. Et finalement, quand il vient dans la langue, il dépend qui goût il était. Si vous avez un gémo qui est pas chanté, il va faire aigre Si vous fait un petit peu œil, vous êtes content. Il a un gémo qui un petit peu salé, il est content. a un gémo qui est un petit peu amer, ça veut dire qu'il est content. Ça, ça. Depend, dépend où tu thèse. Mais tous nos cinq sens travaillent quand on peut manger. Là. Tout peut travailler en même temps. Est-ce qu'il est là, docteur, ce qui est important Parce que quand on peut moi, ça me fait imaginer, par exemple, euh, Morgueuse. Ouais. Disons, hein, nous, nous servions aux dans, dans la cuisine mauricienne, il y a un petit peu amer, un petit peu egg, nous comptons aux Açores, ouais. surtout là l'été pour rentrer bientôt, nous comptons de six Est-ce qu'il ou recommandait qu'il nous mette dans tout, puisque nous cinq sens éveillés, est-ce qui dans tout nous manger, nous, nous mettre tous les cinq goûts, euh... amer, Egg, normalement sucré, id, salé. Id, idéal c'est ça idéal c'est ah, ça oui. idéal c'est ça uh -uh. et quand on mange tout ça man saveur là une ah. bizin là idéal c'est ça hein, okay. de, dans dans médecine ayurvédique c'est-à-dire au goût le doux salé œuf un peu fort piquant un peu amer un peu acque. et tout ça les ah. est présent. mais pas grave ah. mais tout présent en même temps mais qui manière on fait tout ça goût là présent c'est à travers les épices c'est-à-dire cest quand on peut faire la cuisson, ça mange des épices là, pour on a beaucoup de caractéristiques là, ah de saveurs là, bon? c'est-à-dire okay. pour amer, fort, piquant, etc. Mm -hmm. Alors quand on met un petit peu d'épices là, on mange comme safran, comme tinani, on met un petit peu de un peu de hing, ça, ça englobe ça ces si saveurs là. là Ok, donc ça veut dire que nous avons trop de tracas, madame, pour bien content, parce que très souvent, soit nous pouvons faire morgueuse, nous pouvons faire un grain sec, nous pouvons faire, disons, un, un laleu, vous pouvez ouais. donner un exemple, hein? mm -hmm. euh, un laleu, plus, ben, du monde qui, euh, non-veille, je peux mettre un, disons, un poulet, un avion, ouais. et avec ça. Donc, vous nous avons dit que nous n'avons plus besoin de salade numéro 1, salade numéro 2, zassa numéro 1, zassa euh, euh, numéro 2, euh, oh vinda vin numéro 1, vinda numéro 2, comment dire il est un peu compliqué pour Mme Compliqué, ben, ben compliqué <laughs> définitivement. Parce <laughs> bonnet, que pour n'importe qui, il est compliqué. oui, Exactement. Il est bien compliqué. Bien Donc, ces épices arrivent ils englobent tout ça, là, docteur? Oui, ils les, les englobent. Mais vous inquiétez, les épices, comment on prend-les? Ça les. même. Est-ce que y a tous toutes épices, docteur? Non, parce dans, qui... dans l'hiver, oui. Dans la période de l'hiver, nous y tous les épices. Un peu librement, mais dans l'été, non. Les épices comment moutarde, le métis. Ah la bon? Ça, dans l'été, nous devons... Nous ne euh, pas euh, manger, mais moins. Very bien moins, avec très modération. Surtout moutarde et la rhumettie dans l'été, parce que le climat maurice, c'est comme ça. Mm -hmm. Mais du poivre dans le climat maurice, dans l'été, l'hiver, l'hiver, on consomme un petit peu plus. Et l'été, on consomme bien. Une affaire qui est bien important, qui nous devons consommer des épices, qui même si vous ne pas servir des épices. Mm -hmm. Si vous servez un petit peu de poivre, dans au, au, à ces saison où avec un petit poivre, mm -hmm. les aider pour dans les Ah bon? Oui, les aider et les, les en même temps renforcer l'immunité. Et docteur, il y a par là que c'est euh, important quand on prend sa franc. Ça veut dire n'importe qui, masala ou bien safran même. Si vous mettez un petit peu poivre là-dedans, c'est là que le là il n'a plus l'effet. C'est vrai ça? Oui, safran, nous, bien qu'on ait des affaires. Safran, quand on nous servit, nous pas servir safran pour assaisonner. Et safran, eh, tout ce même euh, ingrédient, tout ce même euh, compo euh, composant qui est actif, mm -hmm. eh, je est plus euh, compatible quand un petit peu de soit un petit ah je, bon. je peu dans le euh, côté gras. Okay. Et ensuite, on met un peu du poivre là-dedans, du poivre là, il aider pour faire ça. Euh, safran là travail un petit peu plus vite. Il ouais. véhicule plus vite. Exactement. Alors il aider pour immunité parce que safran du poivre, ça des affaires là, mm -hmm. les bien bien important dans la cuisine. Et ça il aide où et pour combattre beaucoup malades, beaucoup beaucoup malades. Vous pensez, docteur, la prochaine fois où vous arriverez, revenir, nous faire une émission aux épices ». Euh, tout ce qui aide. Hein, vous connaissez, pour, par exemple, nous, quand du thé, nous comptons à Saint-Maurice. En plus, là, en hiver, euh, nous comptons boire du thé, euh, comment on dit ça euh, Du thé safran euh, Non, du thé gingembre. Du thé gingembre. mais il y a une autre façon que je ne sais mon collègue habitait à moi, chai masala. Voilà. Ah oui, chai masala. Et, et, et il y en a tous ce mêmes bienfait, ça, docteur, non euh, oui tiens ma salade normalement je mets euh, un petit peu de la poudre de zélam ai sec cannelle un petit peu du poivre, mm -hmm. de poivre et là je le oh, bouille mais vous mettez du poivre aussi docteur un petit peu un peu de poivre qui qui se bien fait ça euh, non mais normalement dans l'hiver les les neutralise c'est-à-dire euh, cafard qui nous est ben euh, fraîcheur qui nous est là, elle garde le corps au chaud. En même temps, elle protège contre l'irritation de la gorge. parce que c'est en hiver première affaire qui vient, venue, irritation de la gorge. C'est ce qu'on peut gagner en ce moment. Oui. Alors mm -hmm. ça, ben, là, est pour protéger, pour euh, vous garder bien côté ça. Mais côté indigestion, comment on dit, il y a une banque d'épices qui nous besoin. Éviter nous... Non, pas éviter, mais une banque qui nous vise un qui aide dans l'indigestion. Par exemple, si nous consommons Tilani.. Euh, si nous mettons Tinani dans nos euh, manger quand nous mettez, il aide pour le gaz, mm -hmm. en même temps il aide pour le euh, ballonnement. Mm -hmm. Et de l'autre côté, si nous prendre prenons euh, Grolani, Grolani, les euh, si épices ne nous mettons mettre dans le cuit, mais normalement dans le gâteau, nous mettons Grolani, et également nous mettons après le repas. Mm -hmm. Et Grolani est aidé pour le diser manger, et il est bon pour les yeux aussi. Et les épices qui est plus important, qui nous bien servi pour tirer indigestion, c'est Hing. C'est quoi le... ça tout? C'est Hing, c'est C'est une, est une euh, épice qui gagne Maurice euh, Astère, bien commun. Et ça, si vous mettez un petit bain-set, pour tirer tout le euh, euh, c'est-à-dire côté toxique, ça manger là. En même temps, l'aider pour neutraliser le euh, système qui. Pour, euh, qui qui fait ou qui un gaz. C'est bien important. Elle appelle Hing. qui est de la poudre De la poudre, ça. Hing en la poudre, ça. Hing. Donc, nous allons le cri côté de bazar Bien moi c'est bazar, partout dit ça. D'accord. Donc, Quand nous mettons ça dans nos manger. Nous avons besoin beaucoup Ça mettre un petit pinceau ça, very little, parce uh -huh. qu'il est bien ac. Ah. ah oui. Mettre un petit pincette, dispo, neutralise. Parce que vous Maurice nous dans un climat, quand nous avons tendance à faire frais mm -hmm. et faire sec. Alors, tout le temps, nos systèmes digestifs restent un petit peu bas comparé à d'autres pays qui sont là parce qu'ils nous entouraient à la mer. L'humidité est forte. Ah oui, c'est ça. L'humidité est forte. Et nous, biofire tout le temps, nous travaillons un petit peu au niveau bas. La cause, nous servons servir épices émission pour faire nos biofire venir loin du niveau, pour nous faire pour nous faire manger ce que nous mangeons, nous le digérer. Donc docteur, euh, selon la médecine ayurvédique encore une fois, mon réponse est qui, ou même dit elle est là, nous besoin en harmonie avec la nature. Oui. Donc, mais regardez-nous qui que qui nous peut manger là en ce moment en hiver, n'est pas pour pareil avec ce qui nous peut manger en été. Oui, bien sûr, Ce qui nous mange dans l'été, l'hiver il y a une différence ah, parce bien. que nous les cours, dans l'hiver ils fonctionnent l'autre qualité, dans l'été ils travaillent l'autre qualité. Dans l'hiver, ils pourront pas d'affaires qui chaud, right? bon qui pour energise parce qu'il est bien frais il y a plus énergie interne dans l'hiver dans l'été les produits de aspect qui léger qui vous de l'eau beaucoup côté beaucoup de sont rafraîchit mm. c'est pourquoi dans Maurice nous avons une façon de mal manger nous manger mange l'été dans l'hiver manger l'hiver dans l'été et c'est pourquoi vous trouvez des gens beaucoup de problèmes des problèmes de manger de pas digérer des gens qui trop chaud assez quand dans l'été normalement il peut faire chaud. Oui. Il est normal ça il peut faire chaud. Mm. Mais assez souvent si dans l'été on peut consommer un repas qui de l'hiver. Un repas épicé, qui chaud, qui mm. nourrissant. Mais au contraire plus chaud. les collas pour développer l'énergie en dedans, ça so pour plus fort. Donc au dire, là on hiver, nous caramones nous l'hiver, nous mangeons tout ce qui est épicé et en été nous évitons aliments, c'est ça? au quand on mange, mais si il fait trop chaud, on manger de oui D'accord. À docteur, qu'en est-il des saisons et on a aussi ce qui est la nature de nous, des fruits, des légumes de saison. Est-ce qu'il est important que nous nous avec ce qui est la nature de nous? Oui, une très bonne question. Nous devons adapter d'adapter avec la nature qui nous donnée parce que, par exemple, nous avons des fruits. Dans l'été, nous avons des nous avons des nous profitons, nous mangeons bien oui, oui. melon d'eau. C'est un melon d'eau qui vous gagnez dans l'été là, vous remangez dans l'hiver. il y a beaucoup de l'eau là-dedans. Oh. mais vous pouvez manger un des autres, mais si vous mangez régulièrement, qui oh. peut arriver. au ou pour des jours, les pour à couler, pour développer, tous ces... Okay. parce que les collines ra ramassent euh, fraîcheur. alors nous besoin qu'on mange d'après saison mm -hmm. et nous suivent tous le les légumes qui nous gagne dans la saison parce que c'est un légume qui nous permet de saisonner les bons pour sa saison. Là. parce que la nature-même donne nous ça. D'accord. Donc si, nous qu'on écoute la nature, oui, respecter aussi, respecter la nature, parce que c'est comme ça que nous capables nous et c'est comme ça une façon que nous capables minimise le climate change aussi. Ok. Ouais. Donc ça veut dire là nous avons une période de transition bientôt nous pourrons en été donc nous faisons profiter en été quand nous pouvons mangent des chis, tout ça ben fruits là nous faisons profiter manger. Euh, oui, et bon une qu'une nous en on... préposition transition, plus, transition mmh. et sans saison. Normalement, la médecine ayurvédique recommande quand nous dans en transition, c'est-à-dire le mois de septembre qui est venu, c'est le mois de transition, quand beaucoup de gens tombent malades. Alors, ce que nous devons faire, nous devons être bien vigilants. Une diète qui nous prend, les besoins according to c'est-à-dire l'hiver, et doucement, doucement, nous embarquons dans une diète l'été. Alors, ne pas faire brusquement, quand nous faisons brusquement, comme dernièrement, il commence à faire chaud. Et beaucoup de gens, ils profitent, ils prennent glacé, ils prennent un scrim, etc et après comment il fait froid on trouve la conséquence mm -hmm. beaucoup de gens ils vont régripper Elle nous fait cinq mois de nous encore quand nous gagnons ça mm -hmm. beaucoup quand nous gagne mm ça -hmm. beaucoup nous venis nous pas nous pas attendre nous ouvrez euh, frigo nous tiennent à faire glacer nous boire mais c'est une très mauvaise pratique quand on fait ça après des trois jours on vous gagne la gosse pour gratter on ne pour commencer à couler ce qu'il faut bien faire quand on saute dans sol, c'est pas de venir nous transpirer vraiment bien six jours tranquille un ticket, euh, relaxe là vous figurez, faire l'école normale normal, prends un affaires normal, un de l'eau normale. Après, il y a un temps quand tout ce système infinit balancer dans l'école. Après, il y a un temps on prend des affaires glacé D'accord. Oh, ouais. Pas dire qu'on ne prendre pas, mais on veut bien qu'on ne prenne pour pas malade. Mais si vous, tout de suite, vous saute, sautez saute, saute, et vous prenez des affaires glacées, l'école pour réagir tout de suite tout ce débrouillage parce qu'il est pas capable d'adapter sa vitesse donc encore une fois c'est que au là docteur nous les il y a un temple nous besoin de respecter les et surtout comme au Pérouzanneux de des tips nous pas capable euh, nous besoin faire d'après saison mais aussi respecter euh, la par exemple si c'est trop chaud si c'est trop froid donc nous besoin adaptez nous à, à tout ça là Exactement. Je de vais vous donner des affaires pour nous proposer une indigestion. Dans Maurice, nous avons des euh, tisanes qui sont bien en vogue. Nous en a ayapana et citronnelle right okay. Ayapana, du monde qui content consommer comme mm -hmm. tisane. Et l'ayapana, elle compte carré toutes les indigestions qui nous en a. right Et ça, au cas, on peut apprendre dans euh, l'été chaud ou bien froid nous n'importe n'importe c'est plutôt mm -hmm. et, et, si dimoun qui a envie de mettre un dissique qui va le mettre sinon consommez sans dissique et à des de à sans la menthe et sans roulani ou, ou quoi hein, pure ah ok et ensuite organ citronnelle citronnelle il y a une euh, la tisane qui beaucoup de qui ont à planter dans ce local et ça l'aider dans l'hiver, ça veut dire après le repas l'hiver si vous avez envie de garder chaud prenez une tisane ou dire, si vous n'avez pas envie de boire du thé café vous prenez une tisane de citronnelle qui fait sa citronnelle là elle est pour aider dans la digestion aussi mm -hmm. l'aider si vous mangez des affaires gras l'aider pour digérer mm -hmm. en même temps l'aider pour tirer ballonnement et l'aider pour garder chaud ou pas avoir aucun problème assez si dans l'hiver on a une courte ou une finiment un ice cream par exemple, dans mm -hmm. l'hiver, on finit de manger un ice cream et de là, sans réaliser au VGB, on finit de manger un ice cream qui bouffe. Dans ce cas-là, on est capable, le soir, de prendre une tisane citronnelle. Ça, pour aider à rétablir le système. Alors, par exemple, docteur, en cette période-là, là, une question. Euh qui peut-être il a beaucoup de monde, je ne sais pas trop connaître qu'ils ont bizarre faire. En ce moment, je parle pour lui, température un petit peu augmentée, ne peut pas en transition là, hein, ne pas, ne pas en été là. Je parle pour lui, température peut augmenter, euh, inaugmentée et puis je te qui qu'il y a pipe. Donc euh, je te pour lui, je te gagne sur, je t'envie manger une, la glace ou bien une, affaire, une affaire frais. Est-ce qui quand je rentre qu'il a pipe, disons un exemple, je cave tout malade Définitivement, oui. Mais pourtant, température là, cela va pour lui. Oui, parce que l'écho n'a pas adapté sa vitesse-là. Oui, nous devons prendre en compte nous nous n'avons pas besoin de guet-sauce. Quand nous perdons pour lui, c'est pas dans une région chaude. Mm -hmm. Quand on a le nord, et quand on peut fait chaud, nous pas commencer à inscrire nous ne faire glacer, non. Parce que quand ah. nous retournons dans la case, là-bas, nous avons une petite un petit période là-bas, il ah. un temps de désertant. Mm -hmm. Quand on retourne dans la case, on pourrait venir dans nos routine, il okay. est Mais l'écho-là, il ramasse la là-bas qu'on voit à un screening frais quand on revient dans le frais qui arrive les collapses pour revient frais ok mais définitivement après des trois jours vous commencez à sentir une courbure et soit vous avez coulé des découlés les normes parce qu'il y a un excès qui arrive ça parce qu'il y a un excess water dans l'école le... oui. l'école a mm. besoin de tiali mais comment est-ce que vous tiali soit pas néné coulé soit pas pour un oh. tout c'est tiali en flamme ça m'a fait qu'une me prend un frais c'est là bien tiali mais ça aime beaucoup développer ça mais quand il tiali les, les pays travaillent d'une façon normale. D'accord. Ouais. Et docteur, euh, encore une fois, nous proposons des fruits, des légumes. Nous connaissons y a des fruits qui sont importés, ouais. mais qui sont aussi bons, qui sont des fruits locaux. Est-ce qu'il vous recommandé qu'ils nous mangent ces fruits-là quand même? Vous connaissez des fruits importés, mais je vous dis pas dire ne sont pas bons. Quand nous payons nos fruits dans nos pays, il y une certaine période que nous ne payons pas oui. les fruits. Mm -hmm. là, nous avons euh, prend des fruits. Mm -hmm. et, ça va nous Mais tant que possible, nous avons limite nous dans les lo euh, fri local. Mm -hmm. Et euh, ce qui arrivait. arrivé, aussi, vous connaissent tous tout pas pareil. Tout les qu'on quand on rentre dans les causes de digestion, pas pareil. Il a un fruit qui amène fraîcheur, il y a un fruit amène chaleur. Il y a un fruit qui doux. Mm -hmm. Alors la médecine n'est pas trop en faveur vous prend 4-5 fruits ou un cocktail de fruits au manger. Pas trop en faveur ça. Ah ouais, et pourtant, c'est ce qu'il doit être recommandé. Nous manger cinq fruits et légumes par jour. Oui, mais la médecine avait dit pas trop en faveur ça. C'est-à-dire, si on veut manger papaye, on prend un papa, on mange-les bien. Simple. On mange un à... seul fruit là, bien. Si on veut manger un mangue, on mange un mangue, des mangues, ou on remplir ou on vendre, comment on veut dire, ou enjoy sa mangue là. Mais okay. pas prendre mangue, ou mettre le là dedans, ou mettre euh, euh, ananas, papa, Anana. etc. Okay. Alors, tout ça, un cocktail fruit là, et vous venez un cocktail. De, qui vous aider pour créer bonne indigestion et bonne radicalité dans le Il peut il peut pas pour détoxifier. Pour, ça antioxydant propriétés sa même plante là, c'est pour pour neutraliser en soi-même. Et donc docteur, nous, nous allons cause aussi une complication qu'il y a avec l'indigestion. Oui. Donc en tant que médecin, médecin Ayurvédique, qui ou qui ou le lecteur là? Ça veut dire quand dit oui, oui, nous là, à Maurice, nous avons des affaires qui sont bien communes. Première affaire qui, dans nos pratiques, nous trouvons, ben, <laughs> hein? -moi, moi, je dis avec un peu de fierté que je suis gastrique. Excusez-moi, mon père, parce que c'est une affaire qui nous tendait très souvent. Vous-même, vous dites ça. Oui, sa passion là, il dit, avec une fierté, docteur, je suis gastrique. Pride, hein? Il est pride. Il sentit proud quand il est gastrique. <laughs> Alors, ça, c'est un, un problème. Et deuxième problème, nous trouvons beaucoup de populations souffert de constipation. OK. Ça, c'est de là des extrêmes hein, qui qui est différent. Bon, pour, nous commençons par gastrique. Gastrique, là, normalement, c'est arrivé quand nous ne mangeons pas mange dans l'air et nous esquivons beaucoup mieux, euh, comme on dit, avec euh, pression travail. Soit on dit, on de travailler à nous dit nous finissons nous mangeons. Mais ça, dit pas bon. Pour éviter le gastrique, pour mes affaires, vous connaissez, même où vous travaille, travail, le travail jamais fini, vous connaissez ça. Ah oui. Oui. Surtout ma dame qui reste à la case, ma ménagère, le travail reste ferme. Alors, je disais obligé de connaître un certain l'air je pour manger, je suis de travail, je prends autre repas, je repose un ticket, après je continue de travail. Okay. la gastrique, par pour lui. Ensuite, si on développe gastrique, et a dit, vous bon, sensibilité, meilleures affaires que vous faire et surtout si vous connaissez la nature du travail, parfois vous avez un cas skip meal, moi, je conseille tout le monde, le matin, je bois un litre d'eau. De quand on finit de bouillir de l'eau, je vais prendre gros grosse de l'anis, je vais mettre dans un je laisser infuser. Pas laisser bouillir? Non, pas laisser bouillir. Laisser infuser, couvert bien. Parce que quand nous mettons infusion, quand, quand le gros tombe dans de l'eau là, avec de l'eau chaleur, ça va faire mm -hmm. qu'il monte là, le pourrait tombe dans de l'eau. Tout ça, l'huile essentielle, l'affaire volatile qui est dans le gros l'anis là, le dans de l'eau là, et de l'eau là, le bourré pli bon. Okay. Alors là, quand il finit de tiède, ou rempli d'un thermos, Là, on boit ça petit à petit dans une journée. C'est si on rate un mille, on rate, on les manger si qu'on habite le midi. Si, vu la nature du travail, on peut manger midi et demi. Et entre-temps, on boit ça deux, trois gorgées de l'eau de là Ça veut dire que l'acide n'est pas pour venir trop fort. pour là-bas, mais il n'est pas pour faire des dégâts. Ça, c'est une deuxième affaire. Pour indigestion déséchant, nous, à Ayapana, comme on dit une infusion ou une décoction, c'est-à-dire nous bouillons Ayapana. Elle là, nous mettons la ça a aussi est bon pour Mandjimoun. Et la troisième affaire, Mandjimoun bien connaît, il y qui est, est, -on est content de boire du thé. Si nous boire trop beaucoup de thé, ça a aussi fait l'acide dans l'estomac. Okay? Quand on dit beaucoup de thé, ça veut dire 3-4 par jour? Oui, 3-4 par jour. Hein? Mm -hmm. et Alors, si un type est content de boire du thé, là au besoin, comme on dit, au début, de faire un peu de thé épicé. Mais là, épicé, vous avez besoin de épices vous savez dans le thé, ouais. pas d'époque. Mais là, si vous ne au pas vous, vous, vous mettre un petit bout de bâton de cannelle dans le pire, là, les pour empêcher de gagner la soit vous mettre des trois lagrins et la haïti. D'accord. Ouais, ça aide pour empêcher de développer l'acidité. Mm -hmm. Mais viens... dans le petit on ne pas mettre Non, vous avez fini de mettre du là, là. Ah, à... là, on met du délai. Ok, okay d'accord. Okay. Parce que le délai est un peu infusé, oui, puis oui, là, correct. Astère, quand nous venons du côté constipation, là, il y a un problème majeur dans Maurice parce qu'il nous gagne beaucoup de Mandimoun chez Toma Et on connaît, nous avons beaucoup de patients diabétiques à Maurice et problèmes de cœur. Ces Mandimoun, ont une tendance plus vulnérable, développent constipation. Et nous gagnons beaucoup de patients dans ce, ce sens-là. Là, là, nous conseillons à ces besoin de boire de l'eau. De l'eau aussi, comment on peut boire On peut bien boire de l'eau un demi-temps avant le repas. Et qu'on peut manger, mange, pas boire beaucoup de l'eau. On boit de l'eau, 10 poumons et la gose. Et après, il y un temps, après, on boit de l'eau. Et tant que possible, ça m'a dit que la tendance développe constipation. Ce bisin, tant que possible, prend, c'est-à-dire, pas manger trop beaucoup d'affaires dures le soir. Et tant que possible, mange beaucoup de fibres, pain, de bread, etc. Ça peut aider pour la constipation. L'autre problème, indication qui nous a dit, ballonnement et colique. Mm -hmm. right. Ça, c'est un petit peu plus fréquent dans ma fille et dans ma madame, jeune, jeune fille. Mm -hmm. Alors, nous avons ballonnement écolique colique Là-dedans, nous, pour conseiller, prend de prendre un autre épice qui nous a, un Alors, un fils diamant, je le bois, pas tous les jours, des trois fois par semaine. Ça, c'est mm -hmm. aider pour ballonnement n'importe un peu colique et d'informatique pour aider. Alors, docteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Rapidement, dis-nous, qui côté, ben, le public, capable par exemple, de nous Rare, pas, de travail, bon, euh, dans le ministère de la Santé, nous avons sept cliniques actuellement. Mm -hmm. Nous en avons une dans l'hôpital Victoria, nous une dans Plainview verte MediClinique, nous avons une dans l'hôpital ça, et, et nous avons une dans Belvedere MediClinique, nous, une, nous une à Flaco également à la source, mm -hmm. nous une à l'escalier Médiclinique et récemment un dernier centre qui nous va à Grand-Bois Médiclinique. D'accord. Donc, le public prend contact avec tous les cliniques ayurvédique, du ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, soit c'est à l'hôpital, soit c'est dans Médiclinique, soit dans les Oui, trois cas nous sommes dans Médiclinique, il existe deux dans l'hôpital, c'est-à-dire VHSSR. D'accord. Donc, docteur, peut-être qu'il y peut a un d'immune qui a un problème d'ingestion, qui a envie de cause avec vous, qui a envie de cause avec un docteur ayurvédique, parce qu'il faut pas oublier la médecine ayurvédique, c'est préventif. La médecine pas, il traite le problème par, par la racine. Oui, il traite le problème par la racine. Mais il ne faut mais... Dire pas qu'on finisse malade. Non, donc, si, si on finit malade au cas, il nous peut traiter, tout, okay. mais il faut un petit patience pour traiter. Il ne pas pour une un de patience, okay. et définitivement, nous pourrons essayer de la racine. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à hein, Dr. comanche Radakisoun. Mon rappel qui est médecin ayurvédique au ministère de la Santé et du bien-être. Merci à vous qui nous suivent l'émission, lors Mbc. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé.